Allez, rebonjour tout le monde, rebonjour, désolé, c'est la connexion, donc c'est pas de ma faute. Donc rebonjour tout le monde, rebonjour les parents, bonjour mes enfants, j'espère que vous êtes là et j'espère qu'on peut terminer cette leçon. Alors j'ai dit, en regardant, il y a 2 jours, en regardant une leçon de Madame Kauffer, votre maîtresse, elle vous a demandé de choisir des produits dans le magasin. Donc, par exemple, dans le coin, dans le rayon des produits laitiers. Donc, j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous ne savent pas encore conjuguer les verbes du deuxième groupe. Pour cela, je vais prendre 5 minutes pour refaire rapidement les verbes du deuxième groupe avant de passer à la production écrite. Donc, je vais prendre juste 5 minutes, puis on va passer. Donc, le sujet, c'est la production écrite. Mais avant de commencer la production écrite, je vais prendre 5 minutes, juste 5 minutes, pour refaire les verbes du deuxième groupe. Parce que j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous ne savent pas encore conjuguer ces verbes. Donc, c'est urgent, c'est très important de reprendre en 5 minutes au moins ces verbes, les verbes en IR, les verbes du deuxième groupe. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on va reprendre rapidement les verbes du deuxième groupe. Juste, on va prendre 5 minutes pour reprendre ces verbes, pour voir la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Donc, il faut réguler ça d'urgence. C'est très important. Alors, donc, juste comme je viens de dire, je suis fâché. Je suis très fâché. Parce que vous ne savez pas encore conjuguer les verbes du deuxième groupe. Pourtant, j'ai fait ça plusieurs fois. Allez, les verbes du deuxième groupe se composent de deux parties. La première partie en noir et la deuxième partie en rouge. Comme jaunir, choisir, grossir, applaudir. Donc, c'est très important. Donc, la première partie, c'est le radical. La deuxième partie, c'est la terminaison. Donc, lorsque je veux conjuguer ces verbes, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je prends le radical, je prends seulement le radical. IT aurait j'ajoute les terminaisons au radical. Donc, je fais ici avec vous. Erreur la prochaine fois, donc c'est très facile. Donc je enlève le IR, je laisse seulement le radical et j'ajoute les terminaisons avec tous les pronoms. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. Voilà, j'obtiens ceci.
Par exemple, je finis, tu finis, il ou bien elle finit, nous finissons, vous finissez, il et elle finissent. La même chose avec le verbe choisir. La même chose avec le verbe choisir. Donc, choisir. Donc, j'enlève le, la terminaison, et je laisse le radical. Donc, je, tu, il ou bien elle, nous, vous et il ou bien elle au pluriel. Donc, j'écris le radical pour tous les pronoms. Pour tous les pronoms. Vous voyez comment je peux conjuguer ces verbes-là? C'est très facile. Donc, j'aime pas que vous faites des erreurs comme ça. Avec je, qu'est-ce que j'ajoute? IS. Avec tu aussi, IS. Avec il et elle, c'est le IT. En conjuguant ces verbes-là. C'est la même chose pour les verbes du premier groupe. J'enlève le ER et je mets la terminaison du présent avec tous les pronoms. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je vais voir, est-ce que vous avez compris ou non? Allez, essayez. Les autres. Allez, je veux voir vos réponses. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris comment conjuguer les verbes du deuxième groupe ou non? C'est très facile. Je suis vraiment fâché de vous parce que vous ne savez pas encore conjuguer ces verbes. Allez, vos réponses. Oui, c'est très bien. La connexion, ce n'est pas de ma faute la connexion, dommage, ce n'est pas de ma faute. Je fais de mon mieux pour vous expliquer, mais je ne peux pas réparer la connexion, désolé. C'est clair, c'est très bien, Raïda, c'est bien, oui. Oui, monsieur, très bien. Oui, Selmen, Sahit, c'est bien. Très bien. Allez, maintenant on va passer. On va passer maintenant à notre nouvelle leçon de production écrite, IT. Très bien, oui, c'est bien, bravo. Oui, c'est très bien. Les autres, allez, vos réponses. Est-ce que c'est clair? Donc, je ne veux pas voir d'autres fautes comme ça. Donc, la dernière fois, j'ai remarqué que vous ne savez pas que conjuguer ces verbes, c'est très grave, faites attention. Donc, c'est la deuxième fois, je choisis. C'est très bien, Nord, voilà. Très bien. Donc, avec je, c'est le IS, donc je dois faire ça en fermant les yeux. Je dois fermer les yeux. IS, IS, IT, ISAN, IC et IS à la fin ENT. Est-ce que c'est clair?
Très bien. Les chakras à la wajib, c'est très bien. Je veux faire ça une fois pour toutes. Je ne veux plus retourner cette leçon. De vous. Et maintenant, ça va. C'est bien. Je vais vous contrôler dans les autres leçons, avec les autres instituteurs. Je vais vous contrôler. D'accord? Donc, essayez de faire attention la prochaine fois. Lieu. C'est quand? Pour préciser le temps, pardon. C'est quand? Pour préciser le lieu, c'est où? Pour préciser le personnage, c'est qui? Et je peux poser d'autres questions comme pourquoi, comment, etc. Donc, ici, dans le début, je vais introduire le sujet. Dans la suite, est-ce que vous voyez tout d'abord? Très bien, c'est très bien, oui. Vous me voyez, très bien. Sujet, je vais parler des événements et des actions. Et dans la fin, je vais terminer mon sujet par une fin heureuse ou bien une fin malheureuse. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai la connexion, je ne sais pas quoi faire. Donc, dans le début, je parle du personnage, du lieu, du temps et la cause. Dans la suite, on va détailler le sujet, on va parler des actions, la chronologie des actions. Et dans la fin, je vais terminer par une bonne fin ou bien une mauvaise fin, une fin heureuse ou bien... D'accord? Aujourd'hui, on va faire une description plus un dialogue. Donc, on va ajouter le dialogue. Donc, on va écrire aujourd'hui un récit qui contient une description et un dialogue. Donc, la chose nouvelle aujourd'hui, c'est le dialogue. Donc, on va écrire un récit dans lequel il y a une description d'une personne. Puis oui. Raïda, très bien. Smaïl, Rahbabik, Smaïl, c'est bien.
Donc, aujourd'hui, la nouvelle chose, c'est qu'on va intégrer dans notre récit, on va ajouter un dialogue. Un dialogue. Donc, vous avez vu ça hier, ou avant-hier, je crois, avec Madame Kauther. Comment intégrer, comment faire le dialogue. Donc, comment faire un dialogue. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut continuer ou non? Donc, allez, où sont les autres? Allez, on va continuer. Très bien. Allez. Pour cela, allez, je vais donc pour. Donc, on va choisir pour notre. Donc, toujours on pose les mêmes questions. Pour le début, je vais poser les mêmes questions. Donc, regardez ça pour le début. Donc, on va choisir le moment. Tout d'abord, je vais vous montrer le sujet, ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va faire ce sujet. Regardez ça. Allez. Donc, c'est la maladie d'Alain. Allez. Je regarde les images et je raconte l'histoire. La maladie d'Alain. Donc, on va commencer par un début dans lequel on va dire quand, qui, quoi, où, etc. Puis on va détailler la suite, le médecin, etc. On va décrire Alain. Puis on va parler de ce que fait le médecin. Oui, les conseils que le médecin va donner à Alain. Donc n'oubliez pas, hier, vous avez vu comment donner des conseils. Comment donner des recommandations? Donc, commencer par le début. La science dernière. Donc, je dois laisser ou bien trois carreaux. Oui, lorsque je commence la suite. Je dois laisser aussi trois carreaux avant de commencer. Je dois décaler la première ligne à droite. Je dois décaler la première ligne à droite. Puis aussi, je dois laisser deux ou trois carreaux avant la fin. Et dans la fin, je dois aussi laisser trois carreaux. Donc, je dois décaler la première ligne à droite pour montrer au lecteur qu'il y a bien sûr trois. Vous devez faire ceci dans vos productions écrites, dans toutes vos productions écrites. Vous devez respecter ce schéma. Sinon, c'est faux. Est-ce que c'est clair?
Donc, attendons que la connexion revienne. Oui, c'est bien, élève, je te vois. Tu as répété ton message 1000 fois, c'est bien. Oui, élève, c'est bien. Élève, arrête d'écrire élève. Vous écrivez la même chose toujours. Donc, vous devez laisser trois carreaux ici, trois carreaux ici et trois carreaux ici. Copie. Allez. Donc, c'est... Oui. Allez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a, Alain? Aujourd'hui, Alain. Pourquoi il reste encore dans son lit? Allez. Il est comment? Il reste encore dans son lit. Oui. Pourquoi il reste encore dans son lit? Alors, désolé pour la connexion, désolé. Alors, Alain, qu'est-ce qu'il a? Oui, très bien. Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a? Il reste encore dans sa chambre. Donc, je répète, j'ai dit, aujourd'hui, Alain est dans sa chambre. Il dort encore dans son lit. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi? La connexion, ce n'est pas de ma faute, dommage pour vous. Donc, on va essayer, car il est malade, c'est bien Hayat, car il est malade. C'est bien, car il est malade. Les autres, il est...
Il est quoi? Il est quoi? Il est malade. Oui. Il est encore malade. Il ne se sent pas bien. Alors, il ne va pas. Il ne va pas à l'école. Donc, j'ai parlé du temps. Donc, aujourd'hui, le personnage, c'est Alain. Il est où? Dans sa chambre. C'est le lieu. Et le problème, il est où le problème? Donc, il ne va pas à l'école. Il ne va pas à l'école. Donc, j'ai répondu à la question quand, qui, quoi? Il ne va pas à l'école. Et où? Il est dans sa chambre. Donc, j'ai répondu à quatre questions dans les débuts pour introduire mon sujet. C'est très important d'introduire le sujet avant de commencer. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, pour commencer, je dois. Donc, c'est le début. D'accord? Dans les débuts, je dois répondre à la question quand, qui, quoi et où pour introduire mon sujet. Est-ce que vous êtes d'accord? Et j'ai laissé les trois carreaux au début. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, Alain est très malade. Sa maman. Ah non, on n'est pas encore là. On est au début. Nous sommes au début, Monet. Juste au début. On va introduire le sujet. Pas encore le médecin. Oui? Très bien, para. C'est bien. Ensaf, c'est très bien. Oui? Sa maman appelle le médecin pour l'examiner. Oui, peut-être. Oui, tout, c'est bien. Donc, nous sommes encore dans le début. La première image. Nous sommes encore dans la première image. Nous sommes encore ici. Dans la première image. C'est le début. Il tousse. Il éternue. On va voir ça. Nour, c'est très bien. Mais nous sommes encore au début. Nous sommes encore au début. Dialogue. Donc, on va passer à la suite. Est-ce que vous voyez ici? Est-ce qu'il voit bien? Donc, maintenant, on va passer à la. Donc, on n'a plus besoin de ça, ce n'est pas grave. On n'a plus besoin de ça. Donc, on va passer à la suite. La suite, on va détailler la suite. Allez. Très bien. Est-ce que je peux effacer? Il n'arrête pas de tousser et d'éternuer. Mohamed Rayen, c'est très bien. Il a mal à la gorge, c'est très bien. Oui, voilà de bonnes expressions.
Oui. Voilà, c'est très bien. Il tousse, il éternue. Allez, on va passer. On va passer maintenant à la description de Alain. C'est très bien. Allez, donc on va écrire tout ça. L'enfant. Donc, puisque je commence un nouveau paragraphe, donc je dois m'éloigner. L'enfant. Pour éviter la répétition, au lieu de dire Alain, au lieu de dire Alain, je vais effacer Alain et je vais dire l'enfant. D'accord? Pour éviter la répétition. Donc, pour éviter la répétition, je vais dire l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il a l'enfant? Comme a dit votre camarade, n'arrête pas, pas de tousser. Et donc, je retourne à la ligne et d'éternuer. C'est bien. Les autres, il n'arrête pas de tousser. Et d'éternuer. La connexion. Il n'arrête pas de tousser et d'éternuer. Il est comment? Il a mal à la tête. Très bien. Il gémit. C'est très bien. C'est bien. Alain est brûlant. Très bien. Il n'arrête pas d'éternuer. Il est brûlant. C'est bien. De quoi? De fièvre. Il est brûlant de fièvre. Donc, il a de la fièvre. Il a de la fièvre. Donc, il a de la fièvre. Il est fiévreux. C'est bien, j'ai. Il a des frissons. Il a des frissons. C'est bien. Alain est brûlant. Très bien. Il a des frissons. Il est pâle. C'est très bien. Bravo. Oui, il a de la fièvre. Ses yeux sont larmoyants. C'est très bien. C'est très bien. Bravo. Il est très mal. On ne dit pas il est très mal. Il a très mal. Il tousse sans cesse. Bravo. Oui, ce sont de bonnes expressions. Il a des frissons, oui. Il ne cesse pas de tousser, très bien. Donc, il est brûlant de fièvre, oui. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Il est très faible et fatigué. Il est très faible et fatigué. Très bien, je peux parler de ses yeux. Ses yeux sont larmoyants. Très bien. C'est très bien. Donc, je suis en train de décrire une personne malade. La dernière fois, nous avons décrit une personne en bonne santé, une personne en forme. D'accord? Maintenant, nous sommes en train de décrire une personne malade. Donc, l'enfant n'arrête pas de tousser et d'éternuer. Il est brûlant de fièvre, ou bien il est fiévreux, si vous voulez. Il est brûlant de fièvre, ou bien il est fiévreux. Il a mal à la gorge, oui. Donc, il a mal à la gorge. Pour cela, il ne peut pas avaler. Il ne peut pas avaler. Répète. L'enfant n'arrête pas de tousser et d'éternuer. Donc, voici des verbes du à l'infinitif. Vous avez vu les verbes à l'infinitif avec Madame Kauf. De tousser, d'éternuer. Il est brûlant. Donc, il est brûlant. Brûlant, c'est un adjectif.
de fièvre. Il est très faible. Faible, c'est un adjectif aussi. Et fatigué. Fatigué, c'est un adjectif. Il ne peut pas avaler. Donc, jusqu'à maintenant, nous sommes en train d'utiliser le lexique que nous avons vu. Donc, vous avez vu ce lexique avec madame avant hier ou bien hier. Donc, vous avez vu tout ça. Oui, on va quand même voir d'autres choses. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Donc, la première partie de la suite, c'est une description du petit garçon. Donc, nous avons plein de lexiques à utiliser. Donc, plein de lexiques, voilà. Donc, malade, le lexique, plein de lexique, médecin. Donc, essayez de vous aider de ces images, de ces... Donc, l'état de l'enfant en pire, c'est très bien. Il est pâle. Bravo. Oui, sa mère, c'est très bien. L'état de l'enfant en pire. Oui, Kaufer. C'est bien. Les yeux bouffous de bout de la... Plein de larmes. Oui. Larmoyant, c'est-à-dire elles sont pleines de larmes. Pourquoi ses yeux sont pleins de larmes? Il a pris quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris froid. Il a pris. Il a pris froid. Il a pris froid. Il a marché sous. Il a marché sous la. Pluie. Il a marché sous la pluie. Regardez. Il a marché sous la pluie. Oui. Les brûlons de la fièvre. De la fièvre, oui. De la... C'est bien. Allez, il a marché sous la pluie. Peut-être il a marché sous la pluie. C'est bien. Donc, il a marché sous la pluie. Il a marché. Jusqu'à maintenant. Donc, c'est la première partie. De la suite. C'est la première partie de la suite, la description. C'est la première partie de la suite. Alors, donc, on peut ajouter plusieurs choses. L'enfant n'arrête pas de tousser et d'éternuer. Il est brûlant de la fièvre. Il est très faible, il est fatigué. Ses yeux sont larmoyants. Ses yeux sont pleins de larmes. Il a mal à la gorge, il ne peut pas avaler. Donc, et son état, comme a dit votre camarade, son état commence à... Très bien. Il a oublié son parapluie. Bravo, Nebi. Oui. Yed Zouébi, le fils
de Madame Aïd. Bravo. Ses joues sont rouges. Oui. Il est quoi? Il lui ruisselant d'eau. Oui. Donc, pourquoi il a pris froid? Il a pris froid, peut-être, je ne sais pas moi, il a pris froid, peut-être parce qu'il a marché sous la pluie. Peut-être il a marché dans les flaques d'eau. Je ne sais pas. Peut-être il a marché sous la pluie et peut-être aussi il a marché dans les flaques d'eau. Allez, on va continuer. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, il n'a pas d'appétit. C'est très bien, Salmen. Il n'a pas d'appétit, il est enrhumé. Donc, on peut. Donc, on peut continuer. Donc, la fièvre. Allez. Allez. Allez, donc, on peut ajouter tout ce que vous voulez. Il n'a pas d'appétit. Il ne peut pas manger. Il n'a pas d'appétit. C'est bien. Il n'a pas d'appétit. Il n'a pas d'appétit. Oui, c'est très bien. Oui, il ne marche, il marche sur... Il marche dans l'eau. Il marche dans les flaques d'eau. Docteur, c'est bien. Il gémit. Il n'a pas d'appétit. C'est très bien. Bravo. Oui, c'est très bien. Bravo. Très bien. Il est tout trempé. Oui, bravo. Khalfi, Khalifi, Slah Khalifi. Edm, c'est bien. Il joue sous la pluie. Il lève, c'est très bien. Rawia. C'est bien, pas de merci. Il tousse, il gémit. Il a la peau en feu. C'est très bien. Rourou, très bien. Très bien, Rourou. Il a la peau en feu, c'est-à-dire il est fiévreux. Très bien. Ilef, il n'a pas bonne mine, c'est très bien, il n'a pas d'appétit, c'est la même chose. Allez, sa maman est inquiète. Allez, sa maman, est-ce que vous voyez comme ça? Sa maman s'inquiète, la maman s'inquiète. Donc, je vais dire, est-ce que je peux effacer? Allez, je vais effacer. Hein? Donc. Allez, on va maintenant faire la deuxième partie, c'est le dialogue. Donc, son état commence. Donc, son état, donc un nouveau paragraphe. Son état s'empire. Donc, son état est devenu grave ou bien s'empire, comme vous voulez, est devenu grave. La maman s'inquiète. La maman s'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle le médecin. Le médecin. Allez. Maintenant, on va parler du dialogue entre la deuxième partie de la suite, c'est le dialogue. La deuxième partie de la suite, c'est le dialogue. Elle appelle le pédiatre. C'est bien. Oui. Il salit ses vêtements. Oui. Il a pris froid parce qu'il a marché sur la pluie, il a marché dans les flaques d'eau. Il porte des vêtements légers. Regardez. Il porte des vêtements légers.
la pluie. Il marche dans les flaques d'eau. C'est pourquoi il a pris froid. Il a pris froid. Il a pris froid. Allez. Allez, le docteur, attention. Adéoui, le docteur, on ne crie pas le docteur comme ça. Allez, attention. Attention à l'écriture. Docteur, on dit le médecin, le pédiatre. Donc, combien il y a de façons d'écrire le dialogue? Donc, on va imaginer le dialogue entre le médecin et Alain. Donc, on va imaginer le dialogue entre le médecin et Alain. Donc, le dialogue. Donc, regardez bien ici. Donc, il y a deux façons d'écrire le dialogue. Donc, regardez ici. Il y a deux façons d'écrire un dialogue. Donc, il y a deux manières d'écrire un dialogue. Donc, soit, je dis par exemple, je vais donner un exemple. Maman dit, où vas-tu mon petit? Donc, je mets un verbe ici. C'est le verbe introducteur. C'est le verbe introducteur. Oui. Donc, maman dit, où vas-tu mon petit? Ou bien, j'ouvre deux points. J'ouvre les guillemets et j'écris la parole. Vous avez vu ça avec Madame Kauf. Maman dit, j'ouvre deux points, j'ouvre les guillemets. Où vas-tu, mon petit? Je ferme les guillemets, je mets un point. Ou bien, je pose la question, où vas-tu? C'est une question. Dis, maman. C'est la même chose. Deux façons d'écrire le dialogue. Est-ce que c'est clair? Oui, les autres, allez. Très bien, oui. Ah, très bien. Donc, maintenant, on va imaginer le dialogue entre le médecin et Alain. Allez, Alain, qui peut m'aider? Bonjour. Bonjour, Alain. Oui. Bonjour, docteur. Allez. Donc, il y a trois façons. Soit on écrit avec un verbe introducteur, soit on inverse la phrase, soit on écrit directement les répliques comme ça. Bonjour Alain, bonjour docteur. Allez, qu'est-ce que tu as Alain? Qu'est-ce que tu as? Allez, qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre Alain? J'ai mal. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as, Alain? Qu'est-ce qu'il va répondre? Allez, vous allez me répondre. J'ai mal. Oui. J'ai mal à la
Tête. Oui? Allez. Les autres. Est-ce qu'il va répondre? Allez, essayez de travailler avec moi. Allez. Bonjour Alain. Bonjour docteur. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal à la tête. Oui? Et je ne peux pas. Je ne peux pas. Avaler. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant le médecin? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, tout d'abord, il pose des questions. Puis, il va faire quoi? Il va examiner Alain. Il va examiner Alain. En voiture, c'est très bien. Donc, bonjour Alain, bonjour docteur. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal à la tête et je ne peux pas faire le médecin. Le médecin va examiner Alain. Oui, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Allez, le médecin, oui, c'est bien. Le médecin examine Alain. Oui. Donc, bonjour Alain, bonjour docteur. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal à la tête et je ne peux pas avaler. Alain ne sait pas qu'il a une angine. Est-ce qu'il sait qu'il a une angine? Donc, il ne sait pas. C'est le médecin qui va dire que tu as une angine. Donc, le médecin examine Alain, le médecin. Donc, vous voyez la deuxième partie. C'est le dialogue. Son poule. Donc, il examine l'enfant avec quoi? Donc, il examine l'enfant. Il lui ouvre la bouche avec une abaisse langue. Regardez. C'est une abaisse, un abaisse langue. Donc, il examine. L'enfant avec un abaisse langue. Un stéthoscope. C'est le stéthoscope. Il tâte le pouls. Il écoute le pouls de l'enfant. Il tâte son pouls avec un stéthoscope. Il écoute les battements de son cœur. C'est bien, Nadia. Très bien. Avec un stéthoscope. Ah, bravo.
Il écoute les battements. On ne dit pas il écoute les battements. Il tâte son pouls. Très bien. Il tâte son pouls. Oui. Donc, il examine l'enfant avec un stéthoscope. Puis, oui, il tâte. Puis, il prend sa température avec un thermomètre. Puis, il prend sa température avec un thermomètre. Il écoute les basses, c'est bien. Send, très bien. Et petit hé, c'est bien. Mouné, c'est très bien. Donc, il examine la gorge de l'enfant avec un abaisse-langue. Il prend sa température avec le stéthoscope et il examine la gorge avec un abaisse-langue. Donc, je reprends. Allez, on reprend. Donc, c'est un abaisse-langue. Abaisse langue. C'est un abaisse langue. Il examine l'enfant très bien avec un abaisse langue. Il tâte son pouls avec un stéthoscope. Avec un stéthoscope. On ne dit pas il mesure la température. On dit il prend la température. Il prend sa température. C'est bien Raïd. Il a une lampe. Oui, peut-être. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, on dit que le médecin examine Alain et tape son pouls. Qu'est-ce qu'il remarque? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est une quoi? Il a pris froid. C'est une angine. Angine. C'est une angine. Très bien. Donc, Alain a une angine parce qu'il a marché sous la pluie. Très bien. Parce qu'il a marché sous la pluie. Allez. Donc, le médecin examine Alain, état de son pouls. Ne t'inquiète pas, c'est une angine. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des conseils. Il va donner des conseils. Il va donner des conseils. Allez, les conseils. Allez, les conseils. Les conseils. Vous avez vu hier comment donner les conseils avec Madame Kauffer. Des conseils et des ordres, des recommandations. Il faut. Allez, les conseils. Il faut. Plus infinitif. Allez. Le médecin va donner des conseils à Alain. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il faut. Allez. Les conseils. Allez, écrivez-moi des conseils. Allez. Ne va pas à l'école. C'est très bien. Bravo. Ben Youssef. Ben Younes. C'est bien. Hein? Le médecin rédige une ordonnance. Très bien. Donne des conseils. Allez. Je veux les conseils. Allez. Donnez-moi des conseils. Allez, les conseils. Bois une tisane bien chaude. C'est très bien. Les conseils. Allez. Donc, il faut rester au lit. Il faut boire
tisane chaude. Il faut boire une tisane chaude. Oui. Tu dois, comme a dit votre camarade, tu dois rester au lit. Rester au lit. Oui. Au lit, il faut boire une tisane chaude. Il faut prendre tes médicaments régulièrement. C'est bien habile. Il faut prendre tes médicaments régulièrement. Il faut prendre tes médicaments régulièrement. Régulièrement, c'est bien. Il faut prendre tes médicaments régulièrement. C'est bien, Basma. Reste au lit, c'est bien. Il faut boire une tisane bien chaude, c'est très bien. Rourou, tu gênes, c'est bien. Il faut prendre tes médicaments régulièrement. C'est bien, Rourou, très bien. Ne joue pas dans les flaques d'eau, c'est très bien aussi. Donc, il faut boire une tisane chaude. Tu dois rester au lit. Il faut prendre tes médicaments régulièrement. C'est très bien. Raïda, il faut prendre tes médicaments régulièrement. Les autres, allez. Les autres. Il ne faut pas Emne, il faut boire. Oui, tu seras guéri. C'est très bien. Basma, il faut rester au lit pendant 3 jours. On peut. Il faut rester au lit pendant. Pendant. 3 jours. C'est bien. Il faut prendre tes médicaments régulièrement. Oui, quoi encore? Donc, les médicaments, il faut prendre les médicaments régulièrement. C'est très bien. Voilà, les médicaments. Il faut obéir à ta maman. C'est très bien, Nabil. Bravo. Il faut écouter les conseils de la maman. Oui, c'est très bien. Alors quoi, Honaïd? Alors quoi? Prendre les médicaments régulièrement. On essaye de donner des conseils, des phrases impératives ou bien des phrases qui commencent par « il faut ». Il faut ou bien tu dois. Il faut rester au lit pendant 3 jours. Bravo. C'est bien. Ouais, enfonce-toi sous les couvertures. Enfonce-toi sous les couvertures. Très bien. Manger les légumes. C'est très bien. Il faut manger les légumes. Tu dois boire de la tisane. On a dit ça. On mange des légumes. C'est très bien. Boire des légumes et des fruits. Très bien. Honaïda, qu'est-ce que tu as? Arrête. Arrête, s'il te plaît. Sinon, je vais te supprimer. Il faut manger un bouillon de légumes.
Ouais, du jus frais, oui, peut-être. Donc, on peut dire plusieurs choses. Bois du jus frais. Bon, bois. Bois du jus. Médecin. Ce sont les conseils du médecin. Allez. Le médecin est en train de donner des conseils. Il ne faut pas sortir dehors, c'est très bien. Send, c'est très bien. Donc, le médecin écrit une ordonnance. Une ordonnance. Une ordonnance. Puis, il donne des conseils. Il donne des conseils. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Bois du jus frais, mange des légumes et des fruits. Il faut boire une tisane chaude. Tu dois rester au lit pendant 3 jours. Il faut prendre des médicaments. Suite. C'est la suite. Donc, dans la suite, il y a combien de paragraphes? Il y a 2 paragraphes. Il y a la description de l'enfant. Allez, on va imaginer maintenant la fin. La fin, allez. La fin. Allez, après quelques jours. Roi Carreau, après quelques jours, allez. L'état s'améliore, c'est très bien. L'état de l'enfant de l'améliore, s'améliore, c'est très bien. Amen, très bien. Après quelques jours, l'état de l'enfant s'améliore. De l'enfant s'améliore. Oui, très bien. Les autres. Oui, on a passé. Nous sommes à la fin ici maintenant. Nous sommes en train. À l'école. Très bien. L'ami, c'est très bien. Il rejoint ses amis à l'école. Bien, c'est une bonne phrase. Oui, bravo. Les autres.
Ah, et la fin, allez, la fin. On va tout de suite terminer. La fin, non, pas encore, Ilef, la fin. La fin, allez. Après quelques jours, l'état de l'enfant s'améliore et il rejoint ses amis à l'école. Donc, il a pris ses médicaments. Donc, il a pris les médicaments. Donc, il a pris ses médicaments. Il a pris ses médicaments. Voilà. Donc, et son état s'améliore. Il rejoint ses amis à l'école, c'est très bien. Le médecin souhaite un bon établissement, c'est très bien. La maman. Oui, la maman, c'est très bien. La maman achète les médicaments. Il revient à son école. C'est bien un basme. Oui, très bien. Il y a de bons éléments aujourd'hui. Après quelques jours, l'état de l'enfant s'améliore et rejoint l'école. C'est bien, Smile. Insaf, c'est bien, pardon. Oui, les autres. Après quelques jours, Alain guérit. C'est bien, Nadia. Oui, après quelques jours, bon, sa santé. C'est bien, Behij. Oui. Très bien. Donc, nous avons écrit un début dans lequel nous avons parlé du personnage, du temps, du lieu, le temps, le lieu et le personnage. Puis nous avons rédigé la suite dans laquelle nous avons décrit l'enfant. Puis le dialogue avec le médecin. Maintenant, c'est la fin. Après quelques jours, l'état de l'enfant s'améliore. Il rejoint ses amis à l'école. Oui, bravo. Devient en bonne santé. C'est très bien. Voilà. C'est comme ça qu'on fait la rédaction d'un récit dans lequel on a mis. La suite, la fin. Donc, le début, la suite, la fin. Donc, je rappelle. Allez, je rappelle. Donc, le récit. Il y a un début, donc je m'éloigne des trois carreaux, puis je laisse un espace, j'écris la suite, je laisse un espace, puis la même chose et j'écris la fin. Il faut écrire comme ça pour avoir une bonne note, parce qu'il y a une note sur la présentation. Si la feuille est bien présentée, vous aurez une bonne note. Si la feuille est bien présentée, vous aurez une bonne note. Donc, vous laissez trois carreaux toujours à gauche, c'est la linéaire. Vous écrivez le début, la suite et enfin, c'est la fin. Est-ce que c'est clair pour aujourd'hui? Est-ce que vous avez bien compris? Donc, voici comment on fait un récit dans lequel il y a un dialogue. Une description et un dialogue. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, n'oubliez pas la conjugaison des verbes du deuxième groupe, au présent aussi, c'est très intéressant. Donc, ne faites plus des erreurs. Est-ce que c'est clair?
malade avec un dialogue. Donc, la prochaine fois, on va voir une autre chose. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris cette leçon. Allez, je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine. Au revoir.